Bonjour, bienvenue sur cette vidéo donc qui clôture le process de coaching pour Fanny. Donc 6 séances, vous allez voir, ce n'est plus la même. Et je lui laisse la parole. C'est vrai que du coup, c'est bah, le coaching en lui-même, c'est très porteur parce que bah, ça donne un peu des ultimatums. Et comme on n'est pas que face à soi, alors c'est pas le faire plaisir qui parle, mais ça fait un deadline. On peut pas se dire, oh, bah, je verrai la semaine prochaine, c'est pas grave si je décale. Et du coup, ça bloque un peu plus en fait. Enfin, en tout cas, pour ma part, ça me permet d'avoir un agenda finalement un peu plus structuré et de me pousser aussi un peu. Après, ça m'a permis justement de, bah aussi avec toutes les questions que tu as pu me poser, que je m'étais justement pas posées, ça m'a permis de voir plein plein de choses et surtout de voir le projet beaucoup plus concrètement, beaucoup plus dans le détail en fait, puisque c'est vrai que j'étais un peu dans les nuages quoi. Enfin, je survolais avec mon envie et l'objectif, mais entre il manquait tous les wagons, on va dire. Bon, il en manque encore, hein, mais et du coup, oui, c'est beaucoup plus concret et j'ai beaucoup plus de clés pour voilà, pour axer l'évolution. Après, je trouve que bah, justement, avec les différentes séances, à chaque fois, ça m'a donné un peu des points d'ancrage différents, du coup, mais toujours évidemment pour le projet. Et là, j'ai l'impression, voilà, d'avoir mis un petit peu le bateau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout le temps des images de. Je dois avoir des envies de mer en ce moment. Mais j'ai l'impression que voilà, le bateau, là, il était à quai. Et j'ai l'impression que là, voilà, il est sur le tout début, mais il est dans l'eau. Et donc, il bah, va falloir ramer, mais pas dans le sens négatif, hein, avec en tout cas la voile. Voilà, j'ai l'impression que là, ça m'a donné un peu la méthode aussi pour voir comment aller de l'avant, justement, en me donnant des petits ultimatums comme ça, tous les 15 jours, de me dire, bon, ben voilà, dans 15 jours, j'ai fait ça. Alors, je n'ai pas encore tout listé, toutes les démarches que je dois encore faire. Donc ça me reste à faire aussi. En parallèle de vraiment l'activité, mais en tout cas pour la mise en place. Et c'est vrai que j'essaye de faire un petit peu les deux. Mais du coup, oui, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus concret et surtout, j'ai moins peur. En fait, j'ai pas l'impression de devoir faire un grand écart pour arriver là où je veux. Ça semble un peu plus doux, on va dire. Et voilà, oui. Donc, du coup, je suis plutôt confiante. J'étais très confiante au départ, mais confiante rêveuse, on va dire. C'était là, je me sens plutôt posée. Et voilà, donc j'aime bien la façon dont elle dit, je suis passée d'une confiante mais rêveuse dans son petit nuage à confiante mais vraiment plus ancrée. Son projet est posé au sol, elle a posé des actions, elle a avancé, elle a progressé et elle l'a vraiment mis dans le concret. C'est ça qui est important parce qu'on peut avoir 15 milliards de projets et les avoir dans la tête, etc. Si on ne les ramène pas sur terre concrètement, ben ça restera juste des rêves, c'est tout. Il n'y aura pas de réalisation. Et puis, ben peut-être avec le risque justement d'avoir une frustration plus tard quand on ne réalise pas. Tandis que là, Fanny, son projet, ça tient la route, elle va continuer, elle va avancer et elle va le réaliser. Voilà, en tout cas, j'étais très contente de l'accompagner. Merci à elle d'avoir accepté aussi de faire ce processus de cette façon-là en prenant les vidéos. Parce que ça permet de vous présenter les choses et que vous puissiez voir quelle est la transformation que cela procure dans ce process de coaching de type professionnel. Ceci dit, donc les prochains accompagnements que je proposerai seront alliés. Il y aura du coaching de type professionnel dans le démarrage pour vous aider justement à faire germer cette graine qui va sortir, à la faire tomber au sol finalement, à l'ancrer. Et après, on passera sur du mentorat, c'est-à-dire de l'accompagnement
plus concret encore pour que la réalisation soit plus rapide, plus ancrée, plus efficace et avec plus de résultats. Voilà. Sur ce, eh bien merci d'avoir été présent sur cette vidéo, sur cette série. Je vous encourage bien sûr à partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Vous pouvez bien sûr également laisser des commentaires, liker la vidéo et au plaisir de vous retrouver. Je suis toujours en live sur le profil Facebook, mon profil personnel, et les lives sont sont transposés sur YouTube, mais avec une quinzaine de jours de délai. Très bonne continuation de votre côté et au plaisir de vous accompagner à mettre vos rêves dans la matière.